Bonjour mesdames et messieurs, éventuellement bonsoir. Voilà, aujourd'hui je suis là pour vous donner une astuce, partager avec vous une astuce très très simple parce que il y a des clients, il y a des abonnés qui m'ont demandé de faire des astuces très simples pour eux. Parce que tout le monde n'arrive pas à trouver des ingrédients. Voilà, aujourd'hui je suis là. C'est votre voyant pari astuce. Je suis là pour vous donner une astuce très simple. Vous voulez faire revenir une personne qui vous a quitté. Alors, avec ce dernier, vous avez déjà faire des programmes, de faire des projets ensemble, des vrais projets pour que la vie soit plus facile pour nous. Un jour, ce dernier décide de vous quitter sans rien dire. Voilà une astuce très simple. Très très simple pour faire revenir ce dernier. Ou votre femme vous a quitté, votre homme vous a quitté. Voilà une astuce très simple pour faire revenir ce dernier. L'heure est facultative. Si c'est la femme le fera un mardi. Si c'est l'homme le fera un vendredi. Achetez les pommes de terre, non lavées, s'il vous plaît. Faut pas acheter ça dans les petits marchés parce que si c'est dans les petits marchés, ça va être propre que ça. Vous voyez, c'est encore sale. Achetez deux pommes de terre comme ça. Arrivez à la maison, rentrez dans votre champ. Soyez seul. Soyez seul, déshabillez-vous en étant seul dans votre champ. Déshabillez-vous, restez nu. Ne portez rien sur vous, s'il vous plaît. Parce que pour frapper dans la tradition, pour faire ce genre d'astuce, restez nu et en étant seul dans sa chambre. Une fois que vous êtes nu, prenez les deux pommes dans vos mains. Il y a un, vous allez appeler le nom de votre partenaire qui vous a quitté. Vous appelez, si c'est un homme qui vous a quitté, vous appelez son nom 9 fois, son nom, prénom 9 fois. Si c'est la femme, vous appelez son nom, prénom 7 fois. Si c'est la femme qui vous a quitté, vous appelez son nom, prénom 7 fois. De l'autre côté, vous appelez, prenons l'exemple de l'homme, vous appelez le nom de l'homme 9 fois, la femme 7 fois. Maintenant, gardez les deux bien dans vos mains. Demandez vos voeux, parlez, 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 dites tout ce que vous voulez. N'oubliez rien, que ce dernier n'a qu'à revenir à vous, quel que soit ce qu'il fait, même s'il est honteux de faire quelque chose de très urgent, qu'il n'a qu'à laisser et commencer par vous à l'instant que vous êtes en train de faire cette astuce. Parlez, 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 parlez. Parlez bien, au moins pour 5 minutes. Si vraiment vous aimez cette personne et c'est du sérieux entre vous et ce dernier vous a quitté, vous aurez la chair du poule. Forcez. Essayez, vous verrez de quoi je parle. Une fois que c'est fait et vous avez fait vos voeux, prenez n'importe quel bol, s'il vous plaît. Déposez les deux pommes de terre dedans. Déposez les deux pommes de terre dedans. Prenez de l'eau plate. Eau plate, s'il vous plaît. Une fois que vous prenez votre eau plate, mettez-le un peu. Dedans, pas trop. Pas trop. Faut pas que ça remplisse de bol. Vous voyez, je vais vous montrer les uns. Vous avez vu. Faut pas que ça rentre trop. Les deux comme ça. Laissez ça pour un moment, pour 5 minutes comme ça. Vous allez voir à un moment donné, les deux pommes vont gémir. À un moment donné, les deux pommes vont gémir. Une fois que c'est fait, prenez les deux. Si vous avez la forêt auprès de vous, allez enterrer ces deux pommes-là dans la forêt.
où là vous pouvez, si vous avez un pot de fleurs chez vous, vous pouvez aussi l'enterrer dedans. Au moment où les deux pommes vont commencer pas pourri, c'est en ce moment que votre partenaire, ce dernier qui vous a quitté, reviendra à vous. C'est une astuce très très simple que je vous ai donnée aujourd'hui. C'est toujours votre voyant pari astuce. Abonnez-vous massivement, likez la vidéo parce que c'est gratuit. Likez pour m'encourager, pour vous laisser encore d'autres astuces. C'est très gratuit. Partagez massivement, s'il vous plaît. Et abonnez-vous, activez la cloche de notification. Que la bénédiction du Créateur, le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux soit avec nous. Que les membres de nos ancêtres nous donnent une longue vie et une bonne santé de fer. Bonne journée à vous.